Bonsoir et bienvenue dans la nouvelle version de Crime Hebdo avec plus de témoignages, plus de révélations et des histoires inédites. Et ce soir, je vous propose une émission exceptionnelle autour d'un homme qui a fait trembler la Suède et le monde entier. Il s'appelle Sture Bergwall, alias Thomas Quick. Et il a longtemps été considéré comme le plus grand serial killer scandinave. C'est l'histoire d'un homme qui a confessé 33 meurtres et qui a été reconnu coupable pour 8 d'entre eux. Mais Thomas Quick est en réalité innocent. Le choc a été terrible pour les Suédois. C'est un peu comme si demain, un journaliste français découvrait que Michel Fourniret ou Francis Holm n'avaient jamais rien fait. Vous imaginez le traumatisme. Voici donc l'histoire incroyable du plus grand tueur en série suédois qui était innocent. En Suède, en 1993, une scène incroyable se produit dans un hôpital psychiatrique. Un des patients confie à une infirmière avoir violé et tué un petit garçon 13 ans plus tôt. Ce patient, c'est Sture Bergwall, un homme de 43 ans, au passé tumultueux. Avec plusieurs condamnations à son actif et un suivi psychiatrique renforcé, son profil va tout de suite attirer l'attention des enquêteurs. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise, car leur patient va faire d'autres révélations. Il a avoué 39 meurtres au cours de ses 10 années de thérapie. Sture Bergwall devient alors Thomas Quick, l'un des plus grands tueurs en série de l'histoire de la Suède. Suite à ces révélations, les médias s'emparent de cette histoire. Thomas Quick fait ce qu'on appelle un buzz médiatique. Thomas Quick est le Hannibal Lecter suédois. Il est notre seul tueur en série. Mais il est aussi unique au monde parce qu'il tue aussi bien les enfants que les adultes. Il est devenu une véritable star à l'hôpital de sa terre. Il pouvait faire ce qu'il voulait. On lui accordait de l'attention. Il était la star des tueurs en série en Suède. Pourtant, au fil du temps, vous allez voir que certaines zones d'ombre vont véritablement faire basculer l'affaire. Celui qui fait trembler la Suède serait en réalité innocent. Har inte begått något av de mord jag är dömd för. Och jag har inte heller begått något av alla de andra morden jag har erkänt. Det är så det är. C'est donc une histoire à peine croyable que je vais vous raconter ce soir. Si incroyable qu'elle a même fait l'objet d'un film en 2020 intitulé « Le coupable idéal ». Tout démarre en fait en Suède en juin 1992. Thomas Quick, alias Sture Bergwall, de son vrai nom, est alors interné dans un hôpital psychiatrique. Il a 42 ans et lors d'une balade avec son infirmière, il confesse avoir enlevé, agressé sexuellement et tué un jeune garçon. Face au médecin, il avoue ensuite être responsable d'une trentaine de meurtres commis entre 1964 et les années 90. Plusieurs d'entre eux sont accompagnés de viols, de démembrements, de mutilations et même de cannibalisme. Thomas Quick va être reconnu coupable et interné en hôpital psychiatrique à vie. La Suède respire. Mais pourtant, plusieurs années plus tard, un journaliste d'investigation va révéler que tout cela n'est qu'une énorme supercherie. Thomas Quick, malgré ses aveux, est innocent. Il a menti, il a avoué des meurtres qu'il n'a jamais commis. Les équipes de crime ont passé plusieurs semaines en Suède pour vous présenter ce document exclusif de 80 minutes.
À cette époque, je travaillais à Copenhague, au Danemark. Un soir, je vais dans un bar de jazz, avec ma copine. Puis un groupe de 5 Suédois entre dans le bar. Et ils me demandent si ça ne me dérange pas qu'ils s'assoient à table avec nous. L'affaire commence d'une façon incroyable. C'est un hasard, en fait. Dans un bar, ils discutent. C'est une discussion de comptoir. Ils parlent à un homme qu'il ne connaît pas, qui se présente comme un psychiatre et qui raconte que, en fait, dans son établissement psychiatrique, il y a un de ses patients qui a avoué avoir tué un enfant, le petit Johan. Le psychiatre explique que l'homme s'est confessé lors de sa thérapie. Et ce qu'il raconte est horrible. Il dit avoir enlevé un petit garçon prénommé Johan en novembre 1980, au moment où le petit sort de son appartement. Il dit l'avoir sexuellement agressé, puis l'avoir démembré. Alors j'ai dit à ce psychiatre à ma table, votre histoire est très intéressante. C'est à mon tour de me présenter. Je m'appelle Björn Asplund et je suis le père de Johan. À 400 km au nord de Stockholm, Johan, 11 ans, vit avec sa mère, Anna Clara, dans leur maison de Sundsvall. Johan, c'est un petit garçon vraiment gentil. J'ai eu deux filles d'un autre mariage qui sont plus jeunes que lui et elles le considèrent comme leur grand frère. Johan, il est adorable. Il est vraiment très attentionné. C'est vraiment un gentil petit garçon. Et ce matin du 7 novembre, la journée commence de façon ordinaire pour ce jeune garçon. Donc dans la matinée, sa mère Anna Clara lui a servi le petit déjeuner au lit. Et il était censé aller rendre visite à son père ce jour-là, parce que c'était la fête des pères en Suède. Mais il n'est jamais revenu de l'école. Alors au départ, on a appelé la professeure de Johan. Et elle nous a dit qu'il n'est pas venu à l'école aujourd'hui. Après ça, on a appelé directement la police. Johan Asplund n'est jamais allé à l'école ce jour-là. Et c'était un grand mystère. Qu'est-il arrivé à Johan ? D'emblée, la police de Sundsvall emploie des moyens importants pour retrouver la trace du garçon de 11 ans. La police va mobiliser des hélicoptères pour retrouver le petit garçon. Les médias s'emparent de cette histoire et tout le pays commence à le chercher car ce genre de disparition est très inhabituel à l'époque en Suède. Tout le monde est sous le choc de cette disparition étrange. Je pense que ça, c'est le plus triste pour une famille. Donc on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants. Et je pense que c'est une vraie catastrophe pour une fille, pour une famille. En parallèle, la police mène l'enquête. Après avoir recueilli les témoignages des parents de Johan, les enquêteurs s'intéressent au dernier compagnon d'Anna Clara.
Comme souvent dans les disparitions d'enfants, il se cache souvent un conflit conjugal. Or là, il y avait un conflit conjugal. Les parents de Joan étaient divorcés. Et la mère de Joan était avec un autre homme. Mais cette relation s'est très mal terminée. Anna Clara et Bjorn, les parents du petit garçon, ont tout de suite des doutes sur cet homme. Ils sont persuadés qu'il est à l'origine de la disparition de leur fils. En effet, il s'avère que c'est une personne assez violente qui harcèle et menace régulièrement Anna Clara. Pour la police, cet homme devient donc le suspect numéro un. Cet ex-petite amie a vécu 8 ans avec la mère de Joanne. Et le matin de sa disparition, beaucoup de gens ont vu sa voiture dans le quartier où vit mon fils. Et en plus, il s'avère qu'il n'a pas d'alibi pour ce matin-là. En 1986, le suspect va passer devant la justice. Il va être condamné à 2 ans. C'est un peu curieux, mais il va être condamné à 2 ans pour kidnapping. À ce moment-là, il est jugé pour enlèvement d'enfants et uniquement pour ce fait-là. Car selon la législation suédoise, un homme ne peut être condamné pour meurtre si aucun corps n'a été retrouvé. Il va y avoir un appel devant une autre cour, il va être rejugé et cette fois-ci il va être acquitté. Depuis 1986, à l'issue de ce procès qui a acquitté le suspect, il n'y a plus aucune piste. L'affaire de la disparition du petit Joan devient un cold case, plus personne s'y intéresse. Pendant longtemps, personne ne savait ce qui était arrivé à Joan Asplund. C'était un grand mystère et ses parents avaient vraiment le cœur brisé. Plus personne ne s'intéresse à cette affaire jusqu'à ce qu'il y ait ce rebondissement. C'est-à-dire les aveux d'un patient dans un établissement psychiatrique qui se dit l'assassin du petit Joan. Et ce patient se nomme Sture Bergwall. Un homme au parcours extrêmement troublant. Âgé de 43 ans, Sture Bergwall est interné depuis 2 ans à l'hôpital psychiatrique de Säter, situé à 200 km au nord de Stockholm. Un établissement connu dans tout le pays pour accueillir des patients difficiles et de dangereux criminels. À 41 ans, cet homme braque la banque de son quartier avec un jeune homme, son ami de longue date. Ils vont réaliser le braquage avec un masque du Père Noël. Il faut dire que c'était un plan assez ridicule parce qu'ils vivaient dans une petite commune. Ils ont déjà rencontré le directeur de l'établissement à plusieurs reprises. Et même si le jour du braquage, ils ont donc leur masque et ils font semblant de parler avec un accent finlandais, le directeur les reconnaît tout de suite. Et en quelques heures, les deux hommes sont arrêtés. It took a few hours and then they were arrested. Si son complice est envoyé en détention, Sture Bergwall, lui, a droit à un autre traitement. Il passe une expertise médicale et le diagnostic est sans appel. That one was pretty severe. Le médecin estime que cet homme pourrait s'avérer dangereux dans certaines situations, dangereux surtout pour les autres. Il a été envoyé à l'hôpital de Säter, au centre de la Suède. Il y a un service spécial pour les criminels qui ont besoin de soins psychiatriques.
D'autant que Stuart Bergwall n'en est pas à son premier crime. En 1969, alors qu'il est âgé de 19 ans et travaille comme aide-soignant, il est accusé d'avoir abusé sexuellement 4 jeunes patients. Il a agressé, il a violé une petite garçon qui n'avait pas plus de 8 ou 9 ans, 10 ans. Il a vraiment commencé très très jeune. Et c'est devenu de plus en plus problématique à mesure qu'il grandissait. Quand il avait 19 ans, il a attaqué plusieurs garçons sur une période de quelques semaines. Il est accusé d'avoir essayé de tuer l'un de ses petits garçons, âgé de 9 ans. Mais cette tentative n'a pas été prouvée et il a été acquitté au procès. Il a tout de même été condamné pour agression sexuelle. À sa sortie de prison, en 1971, Stuart Bergwall poursuit ses études à Uppsala, dans le centre de la Suède. S'il semble avoir repris sa vie en main, l'homme est vite rattrapé par ses démons. Il avait 24 ans quand il a poignardé un homme à 12 reprises. C'était à Uppsala, après un rendez-vous dans un bar tard le soir. Mais Stuart Bergwall assure qu'il ne se souvient pas de ce qu'il s'est réellement passé. Il a eu un trou de mémoire. Pourtant, l'homme qui l'a agressé a été laissé pour mort. C'est très brutal. Et c'est un miracle qu'il ait survécu. Il était jugé, oui, mais il était maître dans une clinique psychiatrique fermée. Il sort de la clinique en 1977. Puis il commet le cambriolage raté qui va le conduire à l'hôpital de Satter. Pendant 2 ans, l'homme se fait discret jusqu'à ce jour de juin 1992. Ce jour-là, il part se promener avec son infirmière. Elle est assez jeune et elle a réussi à établir un bon contact avec lui. Ils sont même assez bons amis. Et ce jour-là, ils discutent ensemble et Stuart Bergwall lui pose innocemment une question. Est-ce que tu changerais ta vision de moi si je te disais que j'ai commis quelque chose de vraiment horrible ? À ce moment-là, l'infirmière est totalement désemparée et elle dit : « Qu'est-ce que vous essayez de me dire ?» Il avait du mal à formuler sa phrase, alors il a juste dit les lettres M, E. Elle lui demande alors, que signifient ces lettres ? Il répond, meurtre. Et après ça, l'infirmière a contacté le thérapeute et Stuart Bergwall a été emmené en thérapie. C'est alors qu'il a soudainement avoué le meurtre de Johan Asplund. Ses thérapeutes, sous le choc de ces révélations, contactent la police. Les policiers se rendent sur place et interrogent immédiatement Stuart. Devant eux, l'homme de 43 ans va réitérer ses propos. Il raconte comment il a enlevé ce garçon. Ce jour-là, lorsque Johan est sorti de sa maison, Stuart Bergwall l'enlève, l'embarque dans la voiture et le frappe à mort. Ensuite, il a expliqué où il avait dispersé le corps du garçon. C'était à une vingtaine de kilomètres de Sundsvall. Il a dit à la police : je peux vous montrer où j'ai caché le corps. Et ils l'ont emmené à cet endroit.
to this place. Et ils ont fait des enquêtes à Sundsvall avec la police, avec son avocat, etc., et avec des chiens aussi. Son corps n'a jamais été retrouvé. Le procureur fait une conférence de presse, toute la presse est présente, et il explique qu'il n'y a aucune preuve matérielle, en tout cas, que ce soit bien Sturbergwall qui est l'auteur de la disparition du petit Johan. Mais il est quand même suspect. Et là, le procureur fait une révélation sur les aveux de Bergwall. Il a fait un deuxième aveu. Il aurait tué en 1964 un autre petit garçon de 14 ans. Sturbergwall a avoué qu'il avait commencé sa carrière de tueur en série dès l'âge de 16 ans. Il a raconté qu'il s'était rendu à Växjö, où il avait trouvé sa victime, Thomas Blomgren, et qu'il voulait avoir des relations sexuelles avec lui. Il l'a donc emmené dans cet abri en bois. C'était un meurtre non résolu en Suède depuis des années, jusqu'à ce que Sturbergwall l'avoue. « 29 ans après les aveux du criminel, le corps de Thomas avait été retrouvé dans un abri à vélo, en bordure de forêt, le visage ensanglanté. » Il avait tellement de détails sur les meurtres qu'il pouvait dire où se trouvait le corps de Thomas Blomgren. Par exemple, il pouvait dire comment il l'avait tué. Il pouvait même décrire le chalet en bois où il avait laissé le corps. Et c'est un meurtre qui date des années 60, donc c'est impossible d'obtenir une condamnation, c'est trop vieux. L'affaire est prescrite. Quand il a commencé à avouer tous ses meurtres, il a voulu changer son nom. Il a dit qu'il voulait porter le nom de sa première victime, qui était Thomas. Et le nom de famille de sa mère, Quick. Donc Sturbergwall est devenu Thomas Quick. Stupéfait quant aux aveux de cet homme, les enquêteurs suédois décident d'en savoir plus sur lui. Thomas Quick grandit dans une grande famille au cœur de la Suède. C'est une famille pentecôtiste, donc très pratiquante. Son père travaillait dans les chemins de fer et sa mère était cuisinière dans une école. Donc ce que je veux dire, c'est que c'était des gens qui travaillaient dur. Ils ont eu 7 enfants et ils n'étaient pas riches. Ils vivaient dans un appartement assez petit avec leurs 7 enfants. Je pense qu'il a eu une enfance très très compliquée avec sa famille, avec une mère qui était très dure, qui était pas très proche de ses enfants, avec un père aussi qui, lui, l'explique, il était méchant. Il a eu, je pense, que l'enfance, il a donné beaucoup de marques. Et Thomas Quick était la seule personne de la famille qui avait mauvaise réputation. Donc, tout ce qu'il faisait tournait mal. Il était donc un peu la brebis galeuse de la famille. Il a eu quelques problèmes au début de sa vie, des problèmes médicaux. Et il a été envoyé loin de sa famille pendant un an, à l'âge de 7 ou 8 ans. Et bien sûr, ça a été difficile pour lui. Et ça l'a façonné. Il a également réalisé très jeune qu'il était attiré par les hommes, qu'il était homosexuel. À cette époque, en Suède,
l'homosexualité était considérée comme une maladie. Alors il a commencé à prendre des drogues pour gérer ses sentiments envers les hommes. Et quand il prenait ces drogues, il sniffait différentes substances et il prenait des amphétamines. Et il trouvait toujours de nouvelles idées pour se procurer de la drogue et tromper les gens. À la fois, il était manipulateur, mais il était aussi très attentionné, très chaleureux, surtout avec les personnes âgées. Au printemps 1994, plus d'un an après ses premiers aveux, de nouveaux souvenirs refoulés remontent à l'esprit de Thomas Quick. Il a déjà avoué deux meurtres et il va en avouer un troisième, toujours dans le cadre de conversations avec ses psychiatres. Il va avouer le meurtre de Charles. C'est un gamin qui a disparu en 1976. Charles Zelmanovitch, il avait 15 ans. Et un soir, il devait aller en boîte de nuit avec ses amis et sa petite amie. Mais il n'est jamais rentré. Ses amis sont les dernières personnes à l'avoir vu en vie. Et ils l'ont vu au coin de la rue quand il descendait chez lui. Personne ne savait où il était. Jusqu'à ce que l'on retrouve son corps enterré dans les bois, de nombreuses années plus tard. Le corps de Charles est retrouvé le 19 septembre 1993. Thomas Quick raconte qu'il est allé avec un ami à Pitea, qui est situé tout au nord de la Suède. C'est là qu'ils ont vu Charles Zelmanovitch marcher. Ils ont commencé à lui parler et à le persuader de monter dans leur voiture. Ensuite, ils auraient attrapé le jeune garçon et l'auraient violé, avant de le découper en morceaux et de l'enterrer dans les bois. Face aux enquêteurs, Thomas Quick raconte même avoir joué à des jeux sexuels avec le cadavre de Charles. Il a été retrouvé 17 ans plus tard dans la forêt. Certaines parties du corps ont été retrouvées sous de la mousse et d'autres n'ont jamais été retrouvées. Quand il a avoué ses meurtres, il a raconté qu'il avait une envie pressante de tuer, qu'il devait tuer. Il est ce genre de tueur en série qui ne supporte pas de vivre, mais qui a besoin de tuer à tout prix. Et c'est le cas de beaucoup de tueurs en série. Suite à ces révélations, les médias s'emparent de cette histoire. Thomas Quick fait ce qu'on appelle un buzz médiatique. Les journaux du monde entier s'intéressent à ce type qui avoue avoir assassiné Charles Zelmanovitch, un tueur en série dans les années 90. Ça fait vendre. Il y a eu tout d'abord Jeffrey Dahmer, qui a tué 18 personnes aux États-Unis. Puis il y a eu un tueur en série incroyable en Russie qui a tué et mangé 50 personnes. À l'époque, les tueurs en série ont ce qu'on appelle le vent en poupe. Ils apparaissent également dans les films et dans la littérature. Thomas Quick s'attribue donc trois meurtres. Donc là, on a affaire véritablement à un tueur en série. La presse est en effervescence et va énormément enquêter et parler de cette histoire qui va faire beaucoup de bruit et ça va mousser et ça va devenir donc le premier serial killer de l'histoire suédoise. Il a un vrai nom de serial killer, oui. Et bien sûr, le peuple suédois, tout le monde a la peur. Cette psychose va prendre encore plus d'ampleur
en novembre 1994, lorsque Thomas Quick demande à parler directement à l'inspecteur en chef de la police de Sundsvall. Et cette fois-ci, il veut faire des révélations sur un double crime. Une affaire vieille de 10 ans. Thomas Quick va poursuivre ses aveux. On est en 1994, toujours dans une thérapie. Il va s'attribuer le meurtre d'un couple de campeurs. Cette affaire date d'il y a 10 ans. Le meurtre d'Apojor, c'est l'histoire d'un couple de touristes hollandais qui traversaient la Suède en voiture depuis le sud de la Scandinavie. Ils s'arrêtent donc pour camper près d'un lac, Apojor. Ils passent la nuit dans leur tente et vont être tués durant leur sommeil, d'une façon vraiment horrible. Thomas Quick confessed that he had traveled together with this couple, and at some point he Thomas Quick raconte qu'il voyage avec ce couple, qu'à un moment donné, il est très en colère contre la touriste Jenny, parce qu'il dit qu'elle lui rappelle sa mère. So he confessed to il dit qu'il a commis ce double meurtre de rage au moment où le couple dormait. Il confesse les avoir poignardés plus de 50 fois. Donc là, on se retrouve avec un tueur en série qui commet toutes sortes de crimes sur des victimes qui sont autant des jeunes garçons que des couples adultes. Et là, on se dit que ça ne correspond pas du tout au profil d'un serial killer. Le personnage de Thomas Quick intrigue. Et ses thérapeutes redoublent d'attention envers lui. Il suit donc une thérapie, plusieurs heures par semaine. Lors de ses séances, il est allongé sur un canapé dans sa chambre et le psychothérapeute est assis à côté, à l'écoute de son patient. Et Quick divague sur ses traumatismes d'enfance. Thomas Quick raconte notamment qu'il assistait au meurtre de son petit frère, Simon. Il a été tué par les parents de Sture Bergwall, devant Sture Bergwall. Et il a été obligé de manger la viande de son petit frère. Et c'est ça qui a, d'après l'histoire de Sture Bergwall, qui a causé un traumatisme énorme, qui a continué à jouer un rôle très grand dans la continuation de son histoire de tueur en série, parce que cette histoire, il l'avait dissimulée, cachée, refoulée. Et puis il a dit au thérapeute qu'il avait été sexuellement agressé et violé par son père dans son enfance. Et cet aspect-là intéresse beaucoup les thérapeutes, parce qu'à l'hôpital de Satter, ils ont à cœur de découvrir comment on devient un criminel, comment les traumatismes de l'enfance peuvent amener à des actes criminels par la suite. Il devient vraiment le centre d'intérêt des psychothérapeutes. L'un d'entre eux va même jusqu'à dire que c'est vraiment bien qu'il se libère, qu'il avoue avoir tué toutes ces personnes. Vraiment, il est au centre de tout. Mis en confiance par ses thérapeutes, le tueur en série multiplie les confessions. Et le 19 août 1995, Thomas Quick évoque le nom de Yenon Levy, porté disparu depuis 7 ans et dont le corps vient d'être retrouvé. En 1995, un jeune étudiant israélien, Yenon Levy, est retrouvé mort à Dalarna, au milieu de la Suède, non loin de l'endroit où Thomas Quick a été élevé. C'était un routard d'Israël et il a été retrouvé tout habillé dans les bois.
Et Thomas Quick va confesser son meurtre. Il raconte comment il l'a rencontré à Stockholm et l'a amené à Rochitan, où il a essayé d'avoir des relations sexuelles avec lui. Il s'y est opposé. Il y a eu une bagarre et Thomas Quick l'a tué. Au départ, il dit qu'il a tué avec un morceau cassé de voiture. Puis, il change d'avis et raconte qu'il l'a tué avec un morceau de bois. Thomas Quick va continuer ses aveux et il va notamment s'attribuer le meurtre de la petite Thérèse. C'est une petite fille qui a disparu en Norvège en 1988. C'est encore un rebondissement inattendu parce que on s'aperçoit que Thomas Quick pouvait opérer donc en dehors des frontières suédoises, c'est-à-dire en Norvège. Thérèse Johannesson avait 9 ans quand elle a disparu de son quartier de Drammen, en Norvège. Elle était censée aller acheter des boissons le samedi et elle n'est jamais rentrée chez elle. Sa mère se tenait sur le balcon pour la regarder entrer dans le magasin, mais elle n'en est jamais ressortie. Et c'est la dernière fois que quelqu'un a entendu parler de Thérèse Johannesson. Jusqu'à ce que Thomas Quick commence à avouer son meurtre à l'hôpital de sa terre. Il a dit qu'il était arrivé en voiture. C'était au milieu de la journée. Le soleil était haut. Il est entré dans ce village de maisons en bois et il a vu Thérèse arriver. Elle marchait sur la route. Elle avait un pantalon et un sweatshirt, de longs cheveux blonds. Et quand elle s'est retournée, elle lui a souri. Il a eu une sorte de flashback, comme si c'était sa sœur. Thomas Quick dit qu'il a enlevé la fille alors qu'elle était en train de rentrer chez elle. Il l'a mise dans sa voiture et l'a emmenée loin de là. La fillette aurait été ensuite tué à coups de pierre. Thomas Quick dit d'abord qu'il l'a enterré. Puis il change de version et dit qu'il a brûlé le corps plus loin, dans un camping. Il a raconté comment il l'a tué. Tous les détails, toutes les marques de son corps, où il a jeté cette fille qui avait 9 ans dans un lac. Et c'était vraiment une choc. Comment on peut faire un si horrible acte concernant une petite fille de 9 ans? Pendant 2 mois, les enquêteurs suédois et norvégiens travaillent d'arrache-pied pour tenter de retrouver le corps de Thérèse. Alors ils décident de vider le lac de toute son eau. Je crois qu'ils en ont pompé 11 000 mètres cubes. Et puis ils ont creusé dans les sédiments datant de plus de 12 000 ans. Et ils n'ont trouvé aucune trace de Thérèse. Alors, n'ayant rien trouvé dans le lac, aucune trace de corps, la police décide de repartir au camping où Thomas Quick, dans sa première version des faits, dit avoir brûlé le corps de Thérèse. Ils passent au peigne fin toutes les zones, ils ratissent les bois à la recherche du moindre morceau de corps. Et ils en trouvent un petit morceau. So they brought this to the lab.
Il l'apporte au laboratoire, le font examiner et trouve un morceau de 13 mm de long. À peu près long comme ça. Un spécialiste norvégien atteste que cet os appartient bien à une personne en croissance. Donc, à une jeune enfant. Il dit aussi qu'on y trouve des marques de scie. Pour les enquêteurs, c'était une étape très importante dans l'affaire Thomas Quick, de pouvoir enfin trouver des morceaux de corps. Parce qu'ils avaient parcouru la Suède et la Norvège à la recherche d'une preuve formelle des aveux de Thomas Quick. C'est la première fois, depuis le début de ses aveux, qu'un élément matériel vient appuyer son témoignage. Et tout le monde est excité face à cette découverte. Quand une affaire est résolue, on en découvre une autre et encore une autre. Donc là, on a véritablement le personnage idéal du serial killer, si on peut dire. Il a des problèmes psychiatriques, il a tué des enfants, il a tué un couple de campeurs et il a tué en dehors de la Suède, en Norvège. Toute la presse est unanime pour dénoncer, pour en parler et pour montrer qu'on a affaire à un monstre incroyable qu'on n'a jamais vu dans les annales criminelles du pays. Thomas Quick est le Hannibal Lecter suédois. Il est notre seul tueur en série, mais il est aussi unique au monde, parce qu'il tue aussi bien les enfants que les adultes. Il a tué notamment deux jeunes femmes en Norvège. L'une d'entre elles s'appelait Gristorik, et il a dit qu'il l'a prise dans sa voiture à Oslo et qu'ils sont allés dans les bois pour faire l'amour. Il dit être très en colère contre elle, la frappe à la tête et la laisse mourir. Et l'autre confession concerne une jeune fille en Norvège qui s'appelait Trine Jensen. Elle était jeune et n'avait que 17 ans. C'était juste une fille qui se promenait. Thomas Quick dit qu'il l'a enlevée et l'a amenée dans les bois. Il avoue lui avoir fait des choses très étranges. Il l'aurait violée, étranglée et laissée pour morte. Et il a caché son corps, qui a été retrouvé un mois et demi plus tard. C'était en 1981. En plus de tous ces crimes, le tueur en série va révéler un autre élément troublant à son sujet. Soudainement, il explique au thérapeute qu'il commet ses meurtres sous différentes personnalités. Il souffrirait en fait d'un dédoublement de la personnalité. Il aurait en lui donc plusieurs personnages différents, dont un gars qui s'appellerait Ellington. Il dit que c'est son père maléfique. Ce serait une sorte de délire schizophrénique. Il aurait un alter ego. Il s'incarnerait dans ce personnage et à ce moment-là, ça le désinhiberait et il passerait à l'acte. C'est un délire qui le pousse à tuer. Voilà, c'est ce qu'il raconte au psychiatre. Finalement, Thomas Quick est renvoyé devant les tribunaux pour seulement 8 des 39 meurtres qu'il a avoués. Il a avoué 39 meurtres au cours de ses 10 années de thérapie. Mais beaucoup de ses aveux n'étaient pas précis et la police n'a pas eu le temps de les étudier. Thomas Quick va passer devant la justice. En fait, il va être jugé par 6 cours d'assises différentes pour 8 meurtres, de 1994 à 2001. Thomas Quick est une star en Suède. On pourrait le comparer au célèbre tueur en série, Ted Bundy. So all of the courts or
À chacun de ces procès, les médias sont là en masse. Il est presque devenu une rockstar. On le voyait partout, dans les articles de presse, aux journaux télévisés. Les gens sont fascinés par ce personnage, mais ils sont aussi terrifiés par lui. Mais cet emballement médiatique n'est pas la seule épreuve que doivent affronter les familles des victimes lors des procès. Le procès du meurtre de la petite Thérèse était aussi une véritable épreuve pour la famille. La mère de Thérèse a dû s'asseoir au tribunal pour écouter Thomas Quick parler de ce qu'il a fait à sa fille. Comment il l'a violée et découpé son corps. Et c'était terrible. C'était comme une torture psychologique pour cette pauvre femme qui a perdu sa fille. Et il y a eu, bien sûr, beaucoup d'autres victimes. Durant tous ces procès, il avoue les crimes, il s'attribue les meurtres, il donne les noms des victimes, mais pour les faits, pour tout ce qui est passage à l'acte, il ne donne aucune preuve matérielle. Excepté ces deux petits morceaux de Thérèse Johansen, ces morceaux d'os étaient la seule preuve matérielle. Mais étrangement, personne n'a parlé de ces morceaux au tribunal lors des condamnations. Au mois de juin 2001, se tient le dernier procès, celui de l'affaire Johan Asplund. Mais pour les parents de la victime, Thomas Quick est un mythomane. Quand nous sommes entrés dans le tribunal, ils ont placé Stuart Bergwall juste à côté d'Anna Clara et moi. Et elle a très mal réagi. Elle a dit « Je ne veux pas m'asseoir ici ». Alors ils l'ont changé de place. Dès le début, je n'ai pas cru un seul mot des aveux de Thomas Quick. Quand il a commencé à expliquer le kidnapping de Johan, il ne savait même pas où mon fils vivait. Ce sont les médecins qui ont dû lui montrer où vivait Johan. Pour les parents de Johan, ce procès n'est qu'une mascarade. Thomas Quick, alias Stuart Bergwall, a répété ses aveux. Mais il a fait d'une manière très étrange. Normalement, quand vous avouez un meurtre, on vous donne la parole pour que vous donniez votre version des faits. Et ensuite, on entend les autres témoins de l'affaire. Mais dans ce procès, ils ont inversé l'ordre. Donc, Stuart Bergwall était libre de s'asseoir là et d'écouter tout le monde parler de l'affaire. Comme les techniciens qui expliquaient en détail comment le meurtre avait été commis et ce qu'ils avaient trouvé, et d'autres choses. Toutes les questions que le procureur a posées à Thomas étaient des questions suggestives, parce que Thomas ne pouvait pas y répondre. Donc le procureur l'a amené en quelque sorte à donner les bonnes réponses. Et je suis avocate depuis 40 ans. Je n'ai jamais été dans une affaire comme celle-là où le procureur amène le suspect à donner les bonnes réponses. À chaque fois que j'essayais de lui poser des questions, il commençait à marmonner et à faire toutes sortes de sons. Toutes les 5, 10, 15 minutes, Thomas Quick commençait à trembler. Alors on faisait une pause, on le faisait sortir et on lui donnait des pilules. Après 2 ou 3 minutes, il revenait et il se rasseyait. C'était comme un mauvais film.
À l'instar des autres procès, Thomas Quick est déclaré coupable pour le meurtre de Johan Asplund. Mais en raison de ses troubles mentaux, il échappe à la prison et doit rester en hôpital psychiatrique. Vous devez comprendre que dans le monde de Stuart Bergwall, cela n'a rien changé. Je veux dire que il a seulement été condamné à continuer à recevoir des soins psychiatriques, pour ainsi dire. Il a continué de vivre à sa terre, il a pris ses médicaments, il a eu toutes ses attentions à son égard, et il a continué à avouer ses meurtres, de sorte que lorsqu'il a été condamné, cela n'a rien changé dans son monde. Peut-être même que son quotidien s'est amélioré, parce qu'il recevait encore plus d'attention après chaque verdict. Sept ans après sa dernière condamnation, Thomas Quick s'est retranché dans le silence. Il était alors une personne très solitaire et vivait de façon très isolée. D'après ce que j'ai compris, il avait une routine très ferme. Il se rendait dans la cour de l'hôpital de Satter, exactement à la même heure. Et, d'une certaine manière, il faisait face à une vie très, très routinière. Exceptionnellement, ce jour-là, le tueur en série accepte de recevoir la visite d'un personnage public. Hannes Rostam est l'un des journalistes suédois les plus connus. Il est le journaliste d'investigation le plus connu de Suède. En 2008, j'avais à peine 24 ans quand je travaillais avec lui. Et il y avait donc ce tueur en série, Thomas Quick, qui s'est muré dans le silence durant sept longues années. Personne ne l'avait jamais entendu parler de ses meurtres depuis sa dernière condamnation pour le meurtre de Johan. Mais Hannes Rostam et moi étions très intrigués par l'histoire de Thomas Quick. Et on s'est dit, pourquoi ne pas replonger dans son histoire ? Hannes avait fait environ 6 mois de recherche avant de contacter Stuart Bergwall et de le rencontrer. Et voilà ce qu'il reçoit en guise de réponse de Thomas Quick. Jag träffar dig gärna under förutsättning att det blir ett förutsättningslöst möte. Hannes Rostam obtient une autorisation exceptionnelle. Et le 2 juin, il se rend seul à l'hôpital psychiatrique de Satter pour rencontrer le tueur en série. C'était une succession de portes en fer verrouillées. Et quand on marche dans ce long couloir, on commence par une porte verrouillée et on termine aussi par une porte verrouillée. Et à la fin, on arrive dans une salle vide, il n'y a personne. Hannes Rostam avait un peu peur, je crois, en allant à cette première rencontre avec Thomas Quick. Nous étions sur cette affaire depuis 2 ou 3 mois et nous avions lu toutes ces horreurs. Nous en faisions des cauchemars. Il y avait des détails horribles sur ses viols, ses meurtres et le fait qu'il mangeait des enfants. Lors de cette première rencontre, Thomas Quick sort de son mutisme et réitère ses aveux devant un journaliste très perplexe.
Hannes avait déjà commencé à réaliser que quelque chose de vraiment, vraiment étrange se passait dans ses enquêtes de police. Au fil des mois, Hannes Rustam retourne plusieurs fois à sa terre, jusqu'à être définitivement convaincu que toutes ces histoires de tueurs en série ne tiennent pas. Il n'y a aucune trace de lui dans aucun de ces meurtres. Pas d'empreinte digitale, pas de témoin, rien qui puisse nous faire dire « Thomas Quick l'a fait ». Et lors de son troisième entretien avec Thomas Quick, Hannes Rustam va parler de ses doutes. À ce moment-là, Thomas Quick s'arrête et regarde le journaliste très confus. Et il lui dit « Et si je n'ai jamais tué personne ? Qu'est-ce que je devrais faire ? Que dois-je faire ? Personne ne me croira. » Par ces mots, il a en quelque sorte imploré de l'aide. Et Hannes dit, de manière très solennelle, « Vous savez, si vous n'avez rien fait de tout ça, il faut le dire. » Et puis, Thomas Quick dit qu'il doit prendre le temps de réfléchir. Il n'en dira pas plus. En rentrant à l'hôtel, le journaliste suédois décide d'appeler Thomas Quick et lui demande de venir le voir le lendemain. Et Quick accepte. Lors de leur entretien, il raconte la vérité. Il n'a tué personne. Devant la caméra du journaliste, Thomas Quick révèle alors l'impensable. Je n'ai pas fait quelque chose de Quand Hannes Rustam m'a appelé pour me dire « Devine ce qui s'est passé ?» Il m'a confirmé qu'il n'a absolument rien fait. Sur le coup, j'ai rigolé et j'étais là « Je te l'avais dit !» Donc la seule chose que l'on sait vraiment à propos de Sturbergwall, c'est que c'est un menteur. Mais si ces déclarations sont vraies, s'il n'a jamais commis aucun de ces meurtres, alors nous avons vraiment un scoop. Et ce journaliste d'investigation va se demander pour quelle raison Thomas Quick a avoué et passé aux aveux, pourquoi il s'est attribué tous ces crimes. Et donc il va enquêter là-dessus. Après les déclarations choc de Thomas Quick, les journalistes veulent lever le voile sur cet imbroglio. La raison pour laquelle Sturbergwall a menti sur le fait d'être un tueur en série pendant de nombreuses années est d'abord qu'il avait besoin d'attention. Il voulait être un patient intéressant pour les psychothérapeutes et les psychiatres de sa terre. Et il n'avait pas vraiment de vie sociale à l'extérieur, à laquelle se raccrocher. Il avait détruit toutes ses relations avec les autres à cause de son passé de criminel et de drogué. Sa vie n'était donc pas très intéressante à l'extérieur, et il voulait rester à sa terre. Je pense qu'il avait l'impression d'être un raté. Et il voulait être une personne importante. Je pense que c'était une façon pour lui de devenir quelqu'un. Afin de briser ce sentiment d'exclusion, Thomas Quick commence peu à peu à se créer un personnage diabolique. Cela peut sembler très étrange, mais quand il a avoué avoir tué et mangé des enfants et ce genre de choses, l'opinion publique a dit « Vous êtes courageux d'avouer ça ». Tout à coup, il était une personne importante. Les gens lui écrivaient des lettres et les médecins venaient lui parler. Les professeurs voulaient entendre son opinion et il avait une vie très privilégiée à l'hôpital. He became a star patient
Il est devenu une véritable star à l'hôpital de Sater. Il pouvait faire ce qu'il voulait. On lui accordait de l'attention. Les gens l'écoutaient. Et vous savez, quand il est allé à Apojor pour faire la reconstitution du meurtre du couple, il pouvait même voyager dans un avion privé. Il était la star des tueurs en série en Suède. Thomas Quick explique alors que ses thérapeutes ont tout fait pour lui coller l'image du coupable idéal. Quick. Thomas Quick voulait rester en thérapie parce qu'il était très attaché à son psychiatre. Et je pense aussi qu'il avait peur de ne pas être suffisamment intéressant dans ce qu'il racontait pour qu'on le laisse poursuivre ses séances de thérapie. Donc, dans les années 90, quand Thomas Quick est devenu le tueur en série le plus célèbre de toute la Suède, c'était aussi une période où le phénomène de ce qu'on appelle les souvenirs refoulés était très à la mode. Et pour les thérapeutes à l'hôpital de Sater, c'était un élément clé pour comprendre comment fonctionne un esprit criminel. Donc pour eux, on devenait de grands criminels à cause des souvenirs refoulés. Et même si vous ne pouviez pas vous rappeler pourquoi vous êtes devenu cette horrible personne, vous pouviez aller en thérapie et déterrer des souvenirs dont vous n'aviez pas eu conscience avant d'entrer en thérapie. Même si un suspect a avoué un crime, il doit y avoir une enquête objective qui prouve vraiment ce qu'il raconte. Mais dans cette affaire, juste parce que ses thérapeutes et ses médecins prétendent que Thomas Quick est coupable, d'une certaine manière, je pense que la police a perdu tout sens critique. Thomas Quick serait victime en fait d'un système hospitalier. Il était mis en confiance, il y avait ses psychiatres autour de lui, ses soignants, et il était poussé à passer aux aveux. C'est un personnage qui est instable, qui était très influençable. Il s'est fait en quelque sorte manipuler et il a recommencé ses aveux ensuite devant les policiers et devant un juge ou des juges. Et c'est là où on peut se poser des questions. Un autre élément clé du puzzle, toujours selon Thomas Quick, est sa dépendance aux médicaments. Durant ses conversations sous forme d'aveu, en fait, à chaque fois, il est récompensé. Il a une carotte, il reçoit des médicaments. Il a le droit de prendre des médicaments, des anxiolytiques. Et c'est un cercle vicieux, en fait. Plus il avoue, plus il a ses médicaments, plus il va continuer à avouer ce qu'on lui demande. Pendant les 17 ans, il était au CETER. Il est drogué par le médicament. Et c'était un gros problème parce qu'il était... d'être drogué constamment pendant 17 ans. Et les thérapeutes, afin d'obtenir des aveux et prouver leur théorie, avaient besoin de Thomas Quick. Ils avaient besoin de quelqu'un comme Thomas Quick. Alors, ils lui ont donné ce qu'il voulait. Si tu as besoin de médicaments pour replonger dans tes souvenirs refoulés et revivre des choses, alors prends-les. Ainsi, lorsque Thomas Quick a été condamné pour la dernière fois, lorsqu'il a été condamné pour Johan Asplund, un nouveau médecin est arrivé à Sater et a compris que Thomas Quick était complètement dépendant aux benzodiazépines. Les médicaments ou les drogues qui lui ont été donnés par le personnel à Sater. Il a donc retiré ses pilules aux patients en 2001. Et donc, c'est la preuve que c'est un système vicieux, c'est que quand il ne va plus, on ne va plus lui administrer ses médicaments, et ben il ne va plus coopérer du tout. Il ne va plus parler, en fait. Il va se mettre dans le silence total. Donc, c'est bien la preuve que c'était ces médicaments qui le poussaient à avouer qu'il était vraiment englué dans un système délirant d'aveux non-stop qui aurait pu encore durer des années si on l'avait donné ces médicaments. En interrogeant ses proches,
les journalistes réalisent que Thomas Quick n'a pas seulement menti sur les meurtres. Sa maman, elle était gentille. Son père, il n'était pas violent. Il n'a jamais violé Stuart Bayval. Bien sûr, il a créé des histoires aussi qui n'étaient pas vraies. Il a menti sur le fait qu'il avait été sexuellement abusé par son père pendant son adolescence ou même quand il était enfant. Personne n'avait connaissance de ces terribles abus. Et le mensonge a continué ainsi. Après les abus sexuels, Thomas Quick avait prétendu qu'il a été témoin du meurtre de son plus jeune frère Simon. Et que c'était la raison pour laquelle il est devenu un tueur en série. À mesure que Thomas Quick revient sur ses aveux, le spectre de l'erreur judiciaire prend forme. Notre question était, comment diable cela a-t-il pu se produire pendant l'enquête de police ? Comment, même si les enquêteurs de police le croyaient, croyaient ses thérapeutes, comment a-t-il pu être condamné par 6 tribunaux différents en Suède pour 8 meurtres qu'il n'a jamais commis ? Si un homme est condamné pour un meurtre, vous pouvez vous dire, bon, il pourrait y avoir une erreur. Mais quand il est condamné pour un second meurtre, un troisième, un quatrième, on ne peut pas douter du système judiciaire. J'en ai fait des procès. Pour moi, il est impossible que cela puisse être une erreur. Je ne pouvais pas imaginer que le système judiciaire suédois condamne un homme pour 8 meurtres sans qu'il ait tué personne. Ça semble impossible. La question que tout le monde se pose, c'est comment il a pu donner autant de détails aux policiers et à la justice de ces meurtres. Les journalistes d'investigation vont alors découvrir un fait étrange. Thomas Quick était libre de sortir de l'hôpital psychiatrique à sa convenance. Quand il était à sa terre, il n'avait aucune restriction. Même après avoir commencé à avouer des meurtres, il avait libre accès à la télévision et aux journaux. Stuart Bergwall, apparemment, il a eu des libertés. C'est-à-dire il a pu aller tout seul à Stockholm, prendre le train ou le bus comme n'importe qui. En fait, il a fait des recherches approfondies. Il s'est rendu à la Bibliothèque nationale de Stockholm et a parcouru plusieurs vieux journaux et a lu tout ce qui a été écrit sur les affaires. Ensuite, il est revenu. Puis il a commencé à parler de ses crimes sans jamais avouer qu'il avait été à la bibliothèque. Et c'est pour cela qu'il a pu faire ses aveux si fiables sur Thomas Blomgren. Qu'il a pu formuler les faits et indiquer l'endroit où il avait trouvé le corps. En réalité, il est allé à la bibliothèque et a lu dans les journaux tous les détails. Et la police était très impressionnée. C'était du genre, comment pouvez-vous connaître autant de détails sur ce crime ? Vous savez, d'une certaine manière, vous pouvez comprendre les policiers. Vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un soit assez fou pour quitter l'hôpital, aller à Stockholm, s'asseoir toute une journée à la Bibliothèque nationale et chercher des informations, puis revenir et avouer de telles choses. Donc d'une certaine manière, on peut les comprendre. Les thérapeutes et les enquêteurs de police ont joué un grand rôle dans la condamnation de Thomas Quick. Ils l'ont aidé en lui fournissant des informations. La vérité, c'est que si vous lisez les 10 premières audiences de Thomas Quick, vous pouvez vraiment voir que c'est absolument fou parce qu'il ne sait rien de rien. Et la police l'aide constamment. Pour l'affaire de Thérèse en Norvège, Thomas Quick a dit au tribunal qu'elle était blonde,
et qu'elle vivait dans un petit village, dans une maison. Et cette fille, en réalité, était vraiment brune. Et elle vivait dans un grand immeuble. Et puis il a vu la photo de Thérèse dans le journal. Et il a bien vu qu'elle avait des cheveux bruns. Alors il a trouvé une explication des plus farfelues. Il a expliqué que les images dans sa mémoire se figeaient tel un négatif sur la pellicule photo. Pour ceux qui s'en souviennent, les négatifs des pellicules photo étaient noir et blanc inversés. C'est-à-dire que les cheveux noirs devenaient blancs et vice-versa. Et c'est passé sans que personne se dise que cette explication ne tient pas debout. Les enquêteurs auraient également joué un rôle dans ce scandale judiciaire en fermant les yeux sur certaines incohérences. Dans l'affaire Joan Asplund, il ne pouvait pas conduire une voiture parce qu'il n'avait pas de permis de conduire. Toutes ces informations étaient connues de la police, mais ils ont simplement sorti ces pièces du contexte. Donc ils ont littéralement enlevé des choses qui ne correspondaient pas au puzzle. Et c'est comme ça qu'il a été condamné. Les reconstitutions des scènes de crime sont également symptomatiques des nombreuses erreurs commises dans cette affaire. À l'image de ce 10 juillet 1995. Ce jour-là, Thomas Quick conduit les policiers au lac d'Apojor, à l'endroit où il est censé avoir tué le couple de touristes hollandais. Si vous regardez la reconstitution telle qu'elle a été effectuée, il était évident que Thomas Quick n'avait pas la moindre idée de ce qui s'était passé sur cette scène de crime. Quand ils sont arrivés sur place avec Thomas Quick, deux officiers de police se sont mis dans une tente pour incarner le couple. Ils ont ensuite demandé à Thomas Quick de leur montrer comment ça s'était passé le jour du meurtre. Et vous pouvez voir, avec la vidéo qui a été tournée, qu'il réfléchit un moment, se demandant ce qu'il aurait bien pu se passer ici. Et soudain, il commence à courir de toutes ses forces avant de sauter à l'intérieur de la tente. Avec son couteau en bois, il a déchiré la tente de manière très différente de ce qu'on pouvait voir sur les photos issues de l'enquête préliminaire. Ce n'était pas du tout comme ça. C'était complètement absurde. Et après, ils ont décidé de faire une pause pendant une demi-heure, pendant laquelle Thomas Quick avait besoin de plus de médicaments. Une fois la pause terminée, ils se sont remis en place pour tout recommencer. Et cette fois-ci, le tueur en série change de comportement. Et d'une certaine façon, Thomas Quick a eu connaissance des informations erronées. Alors, ils lui ont demandé de recommencer, ce qu'il a fait, mais désormais en accord avec les faits établis. Et nous avons parcouru tous les enregistrements vidéo que la police avait faits sur les reconstitutions des scènes de crime. On a même regardé toutes les vidéos des trajets de Thomas Quick jusqu'aux scènes de crime. Et c'est dans ces vidéos qu'on a pu voir que Thomas Quick était gavé de médicaments. On peut voir son thérapeute lui remettre des médicaments, lui demandant « En veux-tu un autre ? Est-ce que tu en as besoin d'un autre ?» Et à chaque fois qu'il devenait silencieux, il lui demandait « As-tu besoin de médicaments ? As-tu besoin de quelque chose pour l'anxiété ?»
Lors de certaines reconstitutions, Thomas Quick est dans un état proche de la démence. Et plus la contre-enquête avance, plus les journalistes tombent de haut. Dans l'affaire Thomas Blomgren, Thomas Quick avait en fait un alibi. C'était le week-end où il faisait sa confirmation à l'église avec sa sœur jumelle. Et c'était à Folum. Et ce petit garçon de 14 ans, il était tué avec cheveux. Ça, c'est 500 kilomètres entre les deux villages. Et c'était impossible que lui, il pouvait tuer cet garçon. Et pour Hannes Rostam et moi, qui avons découvert ça dans le cadre de notre enquête journalistique, c'était plus que surprenant. Comment la police a pu manquer ça? Pourtant, les enquêteurs avaient parlé à la sœur jumelle de Thomas Quick. Ils avaient interrogé tous les amis et la famille de Thomas Quick. Nous étions donc très confus. Comment pouvaient-ils simplement ignorer ce fait? À partir du moment où on tombe sur des faux aveux, on peut vraiment se poser la question à savoir si ce n'est pas tout simplement un mythomane et qui raconte n'importe quoi, mais ça n'a pas été fait. Les policiers n'ont pas vérifié. Nous savons qu'il y a des policiers qui ont eu des doutes. Il y avait une femme policière qui a laissé une note écrite à la main où elle avait écrit « mythomane » avec un point d'interrogation. Mais elle a disparu de l'enquête. Dès que vous formuliez un quelconque doute, vous étiez viré. Au terme de tous ces procès, Thomas Quick a été condamné sur la base de ses propres aveux. À l'exception d'une affaire, celle de Thérèse. Le prétendu tueur avait alors donné des informations permettant de retrouver une preuve matérielle. Thomas Quick, qui lui-même a été très étonné, pour lui c'était une coïncidence puisqu'il n'était pas l'auteur de ce meurtre-là. On a retrouvé un ossement, selon ses indications, il était très étonné, très troublé par cette découverte. Quand Hannes Rostam travaillait sur cette affaire, beaucoup d'autres journalistes disaient « Mais qu'en est-il de l'os retrouvé ? Comment l'expliquer ?» Et Hannes répondait que ce n'était évidemment pas des ossements humains. Lorsque nous avons remis en question les différents verdicts, nous avons obtenu la permission d'envoyer ces petits morceaux à un autre professeur afin d'obtenir un second avis. Et il s'est avéré que c'était du bois, de la colle et du plastique. Rien à voir avec un os humain, on peut le dire. Mais à l'époque, un professeur norvégien ne pouvait pas faire la différence entre un os et de la colle et du bois. Comment expliquer ça? Beaucoup de diplômés universitaires se sont trompés dans cette affaire. Ce professeur est l'un d'entre eux. Les entretiens filmés d'Hannes Rostam avec Thomas Quick vont faire l'objet de plusieurs documentaires retentissants en Suède. Il y avait des sceptiques, il y en avait des doutes. Mais c'était pas facile de nager contre le courant à l'époque, parce que tout le monde avait la vérité. Et tout d'un coup, après, quand Sture Bergwall, Thomas Quick, avait changé son histoire, tout d'un coup, toute l'opinion publique avait changé d'avis. Les deux documentaires de Hannes Rostam, suivis du livre, étaient vraiment très convaincants.
Après, les doutes sur la culpabilité de Thomas Quick existaient déjà avant. Il était déjà très contesté, même au début des années 90, lors des premières condamnations. Donc je pense que pour le grand public, tout de suite, la grande majorité a accepté qu'on était face à un scandale judiciaire. Quand les documentaires sont sortis, oui, j'étais vraiment soulagé. Parce que finalement, on écartait définitivement Thomas Quick de notre affaire. Et c'est ce qu'on voulait depuis le début. Alors quand j'ai entendu à la télévision que Thomas Quick avait avoué avoir tout inventé, ça ne m'a pas vraiment surpris en fait. Parce que j'avais entendu parler de ces confessions saugrenues et du fait qu'il n'avait jamais trouvé de preuves concrètes. Et puis, j'ai entendu parler de ces traumatismes de son enfance. Mais ça ressemblait à quelqu'un qui fabulait complètement. Ça ne me semblait pas authentique. Il a donc fallu 6 ans pour que Thomas Quick, alias Turbergwall, soit acquitté pour tous ses meurtres. Nous avons donc entamé une procédure après la diffusion de nos premiers documentaires en 2008. Et il a été blanchi de toutes les accusations en 2013. Il a été condamné à l'internement à Sater à la fin de l'année 1990. Et puis il a été libéré en 2014. Donc ça fait 24 ans. C'est une longue période dans une institution. Nous avons également eu en Suède un rapport de la Commission d'État de 1000 pages sur cette affaire, où ils ont passé en revue tout le dossier. Et c'est dévastateur, la façon dont ils critiquent la police et les psychiatres. Et cela confirme tout ce qu'Hannes Rostam, moi-même et d'autres ont dit sur cette affaire. Mais pour Björn, qui a toujours été convaincu de l'innocence de Thomas Quick dans la disparition de son fils, la pilule ne passe pas. Anna, Clara et moi, on a demandé 1 million. Parce que ça fait 40 ans qu'on souffre. Alors même si ça ne ramènera pas Joanne, même si on n'obtient pas le million, on se dit qu'on aura au moins les excuses du gouvernement. Parce que le gouvernement est responsable de ce qu'il a fait, de ce que les tribunaux ont fait, de ce que les procureurs, la police et les services psychiatriques ont fait. Mais non, on n'a pas eu un seul mot. Le plus triste dans cette histoire, c'est que les familles des victimes ne sauront jamais ce qui est arrivé à leurs enfants. Thomas Quick a kidnappé leur histoire pendant longtemps, ce qui a rendu beaucoup de cas prescrits. Nous ne pourrons jamais trouver le vrai tueur. Nous ne pourrons sans doute jamais élucider ces meurtres. 8 personnes ont été tuées en Suède et en Norvège. Donc, si ce n'est pas Sture Bergwall, Thomas Quick, l'assassin. Mais l'assassin court toujours libre, quelque part, a toujours couru libre. De son côté, Thomas Quick, redevenu Sture Bergwall, tente de tirer un trait sur le passé.
Maintenant, il vit libre. Il fait ce qu'il veut. Il voyage, il a son passeport. Il vit comme tout le monde. Il allait en Espagne, en France, un peu partout. Il a déménagé dans une petite ville à côté du lieu où vivait un de ses frères. Et bien sûr, c'était un village très rural à l'époque. Donc les gens du village étaient extrêmement méfiants à son égard. Il se sentait donc très isolé. Mais ensuite, il y a eu une petite réunion dans le village où tout le monde est venu. Esture a eu la possibilité de raconter son histoire pour eux. Et après ça, il a été pleinement accepté. Stuart Bergwall est aussi une victime. Évidemment, il a fait beaucoup de mauvaises choses, mais c'est aussi une victime. Ça a été dur pour lui. Donc au final, il ne vit plus en Suède aujourd'hui. Et il ne veut pas que l'on sache où il vit. Et après cette affaire, j'en profite pour vous rappeler que l'on se retrouve également tous les jours en direct à 13h35 sur Énergie 12 pour la quotidienne de crimes et faits divers. Et chaque jour, c'est en direct que viennent témoigner des victimes. C'est très souvent bouleversant et toujours passionnant. Tous les jours, 13h35 sur Énergie 12, crimes et faits divers, la quotidienne. Et puisque vous aimez les faits divers et les enquêtes, restez avec nous car Crime Hebdo continue dans un instant. Le temps de faire une courte pause et la soirée se poursuit avec un nouveau numéro de Crime. À tout de suite.